Coucou. Bah écoute, je crois que t'as demandé un signe. Eh bah écoute, je pense qu'il est là pour toi. On te dit que toi et cette personne, vous êtes clairement destinés l'un à l'autre. Pour le coup, si t'as envie qu'on aille voir un peu plus loin, je t'invite à rester avec moi. Si en fait ça ne te parle pas, bah je t'invite à swiper. Ou peut-être qu'il n'y aura qu'une partie qui sera en accord avec toi. Va savoir. Eh bah écoute, on va regarder tout ça. Bah écoute, clairement, on te parle d'un homme ou d'une femme, peu importe. Tu adaptes à ta situation. Et clairement, tu vois, on te dit que cet amour, vous êtes lié pour l'éternité. Malgré ce que tu traverses, malgré ce que tu vis, peut-être que tout se passe bien. Malgré tes doutes, malgré tes peurs, malgré tes questionnements, malgré tout ce que tu penses actuellement. Tu as peur que cette personne, elle soit avec une autre personne. Tu as peur qu'elle aille voir ailleurs. Tu as peur de ne pas être à la hauteur, peut-être, de cette personne. Mais aussi cette personne, parce qu'elle t'a pas tout dit à un moment donné. Elle n'a pas forcément été sincère avec toi sur ses sentiments. Mais clairement, elle a autant envie que toi d'avancer et de réussir. S'il y a eu de la distance à un moment donné, bah peut-être parce que cette distance, elle était, comment je peux dire, elle était salvatrice. Parce que, tu vois, cette personne avait énormément de choses en tête. Tu es quelqu'un qui compte beaucoup pour elle, peu importe qui c'est, peu importe qui tu es pour elle. Mais en tout cas, tu es quelqu'un qui compte beaucoup et elle a besoin de mettre des choses en place. J'ai besoin de mettre des choses en place. Rien, j'ai trop de choses en tête là. Et clairement, toi, ce que tu veux, c'est avancer avec cette personne. Et on te dit, regarde, ose prier, ose demander et ça te sera accordé. Et tu vas vers de la vraie réussite. Et pourquoi tu visualiserais pas cette réunion avec cette personne? Si tu le fais pas, c'est clairement une erreur. Parce que tu peux vraiment, vraiment le faire. Et on te parle de vase communicant. On parle de communication avec cette personne.